Bonjour les renards, c'est Buldo, et aujourd'hui je vais vous donner mon avis sur Hirodoku, le monde en couleur. Le débat se retrouve en conclusion, j'ai un peu combiné mon format débat et mon format avis pour cette vidéo. L'histoire nous parle d'une jeune sorcière voyant le monde en monochrome, et ayant du mal à ressentir des émotions. Sa grand-mère décide de la renvoyer 60 ans dans le passé, là où elle était encore jeune. La grand-mère, pas la fille. Et donc notre chère sorcière va se retrouver dans notre époque à peu près, où elle va faire la découverte d'un artiste dessinateur qui fait des dessins dont elle peut voir les couleurs. Suite à ça, elle va aussi s'inscrire à l'école, dans le passé, oui c'est un peu bizarre mais voilà, et rejoindre le club de photographie, dont le dessinateur en question est membre. En personnages principaux, nous avons Tsukihiro Itomi, le personnage principal, la sorcière qui voit le monde en monochrome. Nous avons aussi Tsukihiro Otaku, Kohaku, pardon, sa grand-mère, qui est aussi une sorcière, c'est important à préciser, hein, et qui est assez turbulente. Ensuite, nous avons le dessinateur, Aoi Yuito, donc le dessinateur, qui est plutôt doué. Et ensuite, nous avons les membres du club de photographie. Kazano Asagi, quelqu'un de sympathique, qui aime photographier les lapins. Cette description est éclatée. Fukazawa Shigusa, le fils d'un patron de restaurant, qui aime bien taquiner Kawai Kurumi, donc qui est membre du club de photographie aussi. Et nous avons Yamabuki Shu, le chef du club, le big boss. Voici pour les personnages principaux. Alors les OST, je ne m'en souviens plus, comme d'habitude. L'opening est assez doux musicalement, et assez beau visuellement. Je trouve qu'il est assez relaxant à écouter. Et oui, je sais que mes analyses sont toujours assez rapides. Mais vous avez vraiment envie que je passe 10 minutes à analyser l'opening? Je ne crois pas. Quant à l'ending, c'est vrai qu'il est vraiment très beau, maintenant que j'y pense. Je l'ai beaucoup apprécié, personnellement. Après, en même temps, je suis un grand fan de pluie. Hirodoku, le monde en couleur, était un très bel animé. J'ai vraiment beaucoup apprécié le spectacle. Les scènes étaient très belles, et l'aspect club de photographie était très intéressant. Je me suis beaucoup attaché au personnage aussi. Si je devais classer l'animé, je le mettrais dans fantastique, romance, slice of life, photographie aussi, magie bien évidemment, parce qu'il y a aussi pas mal de magie dans l'animé. Et voyage temporel aussi, car le voyage temporel aura quand même de l'importance. L'histoire après est aussi assez joyeuse et assez triste, mais ça vous le verrez en regardant l'animé. Avant de débattre, je tiens à préciser que la miniature de la vidéo sera de plus en plus colorée, plus vous mettrez de likes à la vidéo. Le maximum sera 100 likes, donc je la mettrai régulièrement à jour, si je suis encore en vie. C'est un peu une sorte de petit défi que je me suis donné. Pour en venir au débat, à votre avis, comment ça se passerait dans votre vie si vous voyez le monde en monochrome? Par exemple, en vous réveillant demain. Est-ce que vous pensez que comme Itomi, vous allez perdre quelques sentiments, ou qu'ils seront moins puissants? Je pense que si je me réveillais et que je voyais le monde en noir et blanc tout d'un coup, demain, ça me ferait quand même assez bizarre. Personnellement, je pense que ça ruinerait peut-être un peu mes études, parce que pour différencier les couleurs, ça serait quand même un peu compliqué. Je sais d'ailleurs que certaines personnes sur ce monde ont des problèmes au niveau visuel, et je ne peux que leur souhaiter bon courage. Sinon, vous préférez les photos en noir et blanc, en sépia ou en couleur? D'ailleurs, quand j'étais petit et que je voyais des photos en noir et blanc, je pensais que dans le passé, le monde était en noir et blanc. Vous pensiez la même chose? En tout cas, je me demande ce que ça donne un monde sans couleur. N'hésitez pas à débattre en commentaire sur toutes ces questions. Comme d'habitude, vous savez ce qui est important pour me soutenir, l'abonnement et le like. Partagez la vidéo aussi. Un grand merci à ceux qui le feront. Et merci quand même d'avoir regardé la vidéo. Pour vous remercier de l'avoir regardé en entier, je vais vous dévoiler un petit secret. Mes deux yeux voient légèrement différemment l'un de l'autre.